Salut les gamers, attention au départ. Et nous voici donc au premier virage. Et donc on se retrouve donc sur le circuit de Austin, Texas, donc jeune circuit de la Formule 1 car il est apparu pour la première fois l'année dernière en 2012. Je me suis procuré donc une petite Williams, hein, vous voyez, donc je pars quand même loin loin dans la grille, hein, je suis quand même, je crois que c'est 19e je crois, quelque chose comme ça. Et donc l'objectif c'est de se rapprocher dans les points déjà, et c'est de se rapprocher des premiers, ce qui va être quand même compliqué sur 3 tours, mais bon, pourquoi pas. On va essayer. Donc c'est un circuit qui est très agréable, surtout qui reprend pas mal de morceaux de circuits de circuits connus, comme ceux de Budapest, comme ceux de comment ils s'appellent, d'Istanbul, ceux d'Istanbul. Voilà. Donc il y a des virages, certains virages qui voilà qui sont à l'identique de d'autres circuits du championnat. Donc là on revient de rentrer dans la grande ligne droite, une magnifique ligne droite où on a vraiment le temps de monter en accélération et en vitesse de pointe. Donc là je vais en profiter comme vous allez pouvoir voir le un petit dépassement, voilà. Donc la course, donc là pour moi, donc le moment où je vous fais la vidéo, je fais le commentaire de la vidéo, il est donc c'est juste après Danse avec les Stars, et oui je n'ai pas honte de le dire, je regarde Danse avec les Stars, donc on est samedi soir, et la course se passe demain, donc dimanche. Donc moi quand vous verrez cette vidéo, ça sera après la course, donc là, vous aurez déjà vu le résultat de la course dans le réel. Et nous verrons si la Williams de Maldonado ou l'autre donc se retrouve à la position où moi je terminerai. Donc je ne vous le dis pas, vous le verrez. Je vais vous le dire avant de vous quitter, car je vais pas vous faire le commentaire toute la course. Je vais vous laisser aussi profiter des moteurs et de l'ambiance de la course. Voilà. Donc là, le premier tour est terminé. Donc simplement quelques petites infos sur ce circuit quand même, parce que bon, c'est quand même un nouveau circuit, même si c'est la deuxième fois qu'on court dessus. Donc il fait 5 km 513, il a 20 virages, la vitesse maxi donc c'est 320 km/h, il a 56 tours à faire, donc c'est quand même un circuit, voilà, et 5 km bon c'est beaucoup, donc c'est un grand circuit. Le dernier vainqueur donc c'était Hamilton, et oui, mon petit Hamilton en 2012 sur McLaren. Le record du circuit c'est Red Bull avec Sébastien Vettel en 1:35.657. Et le record en course, c'est toujours Sébastien Vettel avec Red Bull en 2012, toujours 1:39.347. Après ces petites infos, je vais vous laisser profiter de la course. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, bah, demain, nous serons dimanche. Donc après, ça sera surtout bonne semaine. Allez, à bientôt. Bye bye, salut.